Bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais faire une vidéo. Alors voilà, donc j'avais fait une commande chez Yves Rocher. J'ai donc reçu ma commande et c'est pour cela que je vais vous faire passer une vidéo. C'est pas une petite caisse, donc voici. Voilà, donc nous allons voir ça. Je vais ouvrir. Voilà, donc j'ai ouvert mon paquet, mon colis. Donc je vais passer au premier. Donc vous voyez, c'est avec de ces petites espèces de petites choses pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je trouve ça déjà génial. Donc ceci est comment ça s'appelle, pour masser en dessous la douche. Comme vous pouvez le voir. Ça se présente comme ceci, je trouve ça chouette. Il y a même deux côtés, je trouve ça vraiment super. Un côté pour nettoyer et l'autre pour exfolier. C'est un exfoliant. Voilà, je trouve ça très cool. Voilà, c'est super. Donc ensuite, je prends ce qui est sous la main. Donc celui-ci, c'est rose fraîche. Alors, gel douche. Voilà. Donc au niveau parfum, je pense que ça la sent de la rose. Exactement. Ça sent trop bon. Le parfum est délicat et c'est subtil. Vraiment, ça sent trop bon. Donc, on verra. J'essaierai ce produit-là en dessous la douche. Donc ça m'a l'air pas mal, 200 millilitres. Donc voilà, on verra bien. Donc ensuite, délicatesse du parfum d'une oh, avec le produit, on n'y voit pas vraiment bien. Au petit matin, dans son gel douche à la mousse et légère, enrichie en gel d'aloe vera issu de l'agriculture, etc. etc. Voilà. Sa formule d'une grande douceur pour votre peau. Et le lisse délicatement parfumé, la laisse pas et la laisse délicatement parfumée. Voilà, donc on verra bien. Deux, ça c'est le troisième. Donc celui-ci, c'est des petites. Donc celui-ci, c'est. Alors, bain douche, alors canneberge et amande. Voilà. Donc au niveau odeur, je sais pas. Oh, ça sent trop bon. On voudrait tellement en manger. Ça fait remuer les papilles, hein. Donc ça a une note vraiment, c'est super, vraiment une 200 millilitres aussi. L'odeur est vraiment subtile, c'est vraiment craquant. Oh voilà, vraiment, ah, c'est vraiment, c'est super, c'est sublime. Donc on verra aussi. Donc ensuite. Alors, ceci, je sais que j'ai eu des cadeaux aussi, mais alors après, je crois que c'est ceci. Donc, c'est une petite sacoche.
m'a l'air bien protégée. Voilà, une petite sacoche. Alors, il devrait y avoir le petit logo, le petit rocher dessus, mais c'est pas marqué. Alors, voilà comme ça se présente. Alors là, vous avez une petite... alors là, vous avez tout le... J'adore le scotch. Voilà, donc... une pince à épiler les sourcils. Ensuite, vous avez un coupe-ongles. Et ensuite, une lime à ongles. Voilà, qu'on peut mettre à l'intérieur. Voilà, j'enlève la petite petite chose qui n'est pas utile. On referme. On peut même les mettre ici. Alors vous avez des petits trous pour y loger les, comme là. Alors vous avez ceci. Voilà, vous avez un pinceau. Voilà, vous en avez un autre. Vous en avez encore un autre. Et là, c'est un peigne à sourcils. Voilà. Donc, je trouve génial cette petite sacoche à emporter pendant les vacances quand vous faites des voyages. Donc, ça, c'est sympa, je dois dire. Je vais rajouter en plus quelques trucs, quelques pinceaux en plus, pourquoi pas. Donc je trouve ça génial. Ensuite, là j'ai la crème Yves Rocher, sérum végétal. Voilà. Soin repulpant. Voilà. Donc là, au niveau hauteur. Et texture, nous allons voir ça. Voilà, déjà ça se présente comme ceci. Alors le petit tube, voilà, et ensuite voilà. Donc là, voilà la texture, enfin on va voir la texture, voilà la crème. Et donc, il y en a sous le capuchon, donc on va essayer. Elle m'a l'air très sympa, elle est non grasse, elle s'étale bien. Et l'odeur, elle est à craquer. Ouais. Vraiment, c'est une odeur, vraiment ça sent trop bon. Vraiment, c'est génial. Ouais, vraiment. Donc, par la suite, ils disent quoi à propos de cette crème. Donc, dès un mois, la peau est repulpée. Donc, déjà, je pense qu'elle fera bien les choses. Donc on verra tout ça. On essaiera la crème. Et... mais pour l'instant, je passe pas cette crème-là vu que j'en ai d'autres. Donc j'essaierai ça plus tard. Bon, comme ça au moins, j'ai ce qu'il faut. Donc voilà. Ensuite... là, après ces petites bouteilles. Alors en cadeau, je vous montrerai ça à la fin. Même j'ai celui-ci. J'ai ça, mais je sais pas, je ne l'ai pas commandé. C'est peut-être en cadeau. Donc je vous ferai voir ça.
les petites, avec ces petites choses, on a du mal à se repérer dans ce petit fouillis. Donc après, nous avons un petit calendrier. Votre calendrier 2017, c'est gratuit. J'ai eu gratuitement. Donc c'est génial. Voilà. Au moins j'ai mon calendrier. C'est génial. Donc voilà. Ensuite, j'ai une autre bouteille. Alors celle-ci, c'est SO Elixir, lait parfumé. Voilà, 200 ml. Voilà. Et donc l'odeur doit être vraiment géniale aussi. Oh là là, c'est trop parfumant, c'est trop génial. Oh, c'est exquis. Vraiment, c'est top. Vraiment, c'est un régal. Donc on verra ça. Ensuite, je passe au eau de toilette Yves Rocher rose. Rose fraîche. Voilà. J'ai pris le gel touche que je vous ai montré déjà tout à l'heure. Et là, c'est l'eau de toilette. Donc, voilà comme ça se présente. Voilà. Donc ensuite, l'odeur. Elle doit être sublime aussi. Ça sent trop bon. J'adore. Ce délicat parfum. Ça sent trop bon. Vraiment, c'est trop génial. Vraiment. Vraiment, c'est subtil. Ensuite, ça, c'est un cadeau, je suppose. Ça, c'est une poche en carton pour pouvoir y mettre ce qu'on souhaite, sans doute. Ah oui, d'accord. J'ai compris. C'est qu'en fin de compte, je vais vous montrer. Je regarde bien pour voir si je n'ai pas autre chose. Voilà, et donc je vais vous montrer à quoi sert cette petite pochette. En fin de compte, je me suis commandé plusieurs bains douches. Voilà. Ça, c'est clémentine épicée. Ensuite, on va quand même ouvrir pour voir l'odeur. Clémentine épicée. C'est trop génial, ça sent trop bon. Vraiment, c'est top. Et voilà. On vient y mettre la bouteille là-dedans. Voilà. Ensuite, la deuxième, c'est poire et cacao. Voilà, comme ceci. Poire et cacao. Donc, ça se marie bien, ça, c'est une bonne odeur. On sent très bien l'odeur de la poire avec le cacao. Vraiment, c'est top. C'est fruité, c'est vraiment subtil. Vraiment, c'est top. Ensuite, vous avez la clémentine épicée. Alors, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas la même texture. C'est un peu différent. Je trouve celui-là, c'est plus huilé. Celui-là est plus crémeux. Donc, l'odeur,
Ça sent trop bon. C'est top. Il n'y a que ça à dire. C'est trop top. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est cannelle. Non, canneberge et amande. C'est comme celui-ci que j'ai pris. Alors, il est où? Voilà, c'est celui-ci. Voilà, et amande. Donc, c'est pas la même texture. Et c'est un 50 millilitres. Je trouve que c'est sympa quand même. Oh, ça sent trop bon. Oh là, c'est trop génial. C'est subtil à la fois et délicat. Et le parfum, je vous dis pas, ça a tombé par terre tellement que c'est. Voilà quoi. Il n'y a pas de mots, mais c'est top. Ça m'en fait une, deux, trois, quatre. Le cinquième. Alors, le cinquième, c'est poire et cacao encore. Voilà. Poire et cacao. Et le sixième, c'est canneberge et amande. Du coup, c'est le même. Voilà. En 50 millilitres et 200 millilitres. Voilà. Donc, l'odeur, je la connais. C'est trop génial. Voilà. Et donc, là, on vient refermer. Alors, dedans, je suppose. À l'intérieur. Je trouve ça vraiment très classe. C'est génial. Voilà, c'est super. Super petite pochette. Voilà à quoi ça sert en fin de compte. Voilà. Donc ensuite, je vais passer. Alors ça, c'est brume vitamine. Alors j'en ai un que j'ai déjà, que j'ai quand même un peu utilisé. Je m'en suis repris un autre. Voilà. Vous posez votre maquillage. Ça sert à garder votre maquillage, voilà. Et celui-ci, c'est un baume, alors clémentine épicée. Voilà, ça se présente comme ceci. Et voilà, est un peu orangé comme ça. Voilà, rosé. Ça sent trop bon. Je resterai des heures à respirer ça, tellement que ça sent bon. C'est parfumé, c'est délicat et c'est subtil à la fois. Donc ensuite, alors ça c'est une boîte, mais je vois pas du tout. Donc, il me faut ma paire de ciseaux. Voilà, donc c'est une petite balisette. Voilà, ça me compte. Comme vous pouvez le voir, moi je trouve ça vraiment génial. Quand vous partez en vacances, vous emmenez le nécessaire et vous y installez ce que vous souhaitez. Voilà, soit des petites doses comme ceci. Voilà, vous en mettez une ou deux. Et puis vous rajoutez soit des maquillages, paume à lèvres. Voilà, tout ce que vous souhaitez. Moi, c'est vraiment top, quoi. Voilà. Je trouve ça vraiment super. Voilà. Donc, ensuite, le dernier, c'est ceci. Donc, c'est ceci. Ça m'a l'air bien protégé. Alors, c'est une palette. Petit emballage m'a l'air sympa. Voilà, vraiment très sympa avec ces petits rayures en forme de ruban. C'est très joli, je trouve ça très sympa, c'est très original. Voilà, et je vais vous montrer l'arrière du dos. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors ensuite, voilà. Défaire, bien fermer.
La boîte me plaît beaucoup. Voilà, donc c'est comme ceci. Là, nous avons un petit carnet. Alors ça, c'est de pour expliquer à quoi sert le maquillage. Voilà, moi je trouve ça vraiment très top. Voilà, on explique. Voilà, c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça vraiment plutôt sympa. Voilà. Donc ensuite, là, vous avez la palette. Alors, c'est une jolie palette. Je trouve ça sympa. Vraiment. Comme vous pouvez le voir. Là, on manque de rien. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les couleurs nécessaires. Voilà, donc vous avez la petite boîte bien sûr. Voilà. Et ensuite, vous avez même une petite lasse à l'intérieur. Voilà, comme ça se présente. Voilà, la petite lasse. Et puis là, je trouve que... Alors... Voilà, ça, alors vous avez plusieurs couleurs, plusieurs fards. Alors là, vous n'avez pas à courir au magasin pour aller chercher les fards qu'il faut. Je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a même des fards qui sont brillants. Ouais, vraiment sublimes. Et d'autres qui sont super aussi. Donc c'est avantageux. Donc ensuite, on fait glisser comme ceci. Voilà. Oups, et là vous avez le petit pour protéger les. Alors vous avez trois fards à joues. Ensuite vous avez des rouges à lèvres. Voilà. Ensuite là aussi. Alors, je pense que ça doit être des fards à joues en plus. Deux petits fards à joues en crème et là aussi. Et là, qu'est-ce qui est très bien? C'est une petite boîte. Génial, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est une petite glace vraiment géniale. Voilà, à emporter. Voilà, je trouve ça vraiment super. Maquillage qu'il faut, tous les fards qu'il vous faut, c'est vraiment top. Voilà, donc je vais remettre à l'intérieur cette petite chose au milieu qui va protéger. Et ceci. Voilà. Et voilà. Ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, une palette de maquillage astucieux créée par votre mini kit à emporter. 60 teintes et associées pour créer le look du moment au gré de vos envies. Voilà. Donc, je trouve ça quand même sympa. Voilà, avec de jolies couleurs, voilà, très jolie palette. Et moi je trouve que vraiment la petite boîte m'a l'air très sympa. Voilà, je trouve ça vraiment super. Voilà, je trouve ça vraiment génial, jolie boîte. Voilà.
original, avec ces jolis petits rubans, justement. C'est vraiment. En plus, c'était édition limitée. Édition limitée. Palette look couleur. Voilà. C'est noté. Comme vous pouvez le voir, je trouve ça génial. Voilà, il y a toutes les couleurs qu'on veut. Et je trouve ça super. Voilà, c'est génial. C'est top. Et le cadeau en plus. Le cadeau, c'est une couverture. Voilà. Voilà, donc, nous allons découper ceci. Voilà. Voilà. Et donc, elle m'a l'air vraiment géniale. Elle est toute douce. Voilà. C'est comme ceci. Voilà. Donc, elle m'a l'air sympa. Voilà. Elle est toute douce. Voilà. Très génial. Elle est pliée en deux. Elle est assez grande, je dois dire. Voilà. J'ai eu ça en cadeau. Voilà. Donc, c'en est fini. Voilà, je vous ai passé toutes ces petites choses en revue. Voilà, ma commande d'Yves Rocher. Cependant, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Et moi, je vous dis à une très prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt.